Ce devait être l'un des projets emblématiques de la géothermie en France. Mais la centrale bâtie au nord de Strasbourg ne verra pas le jour. Un arrêté préfectoral l'a condamné lundi après une série de séismes qui ont suscité l'émoi dans la métropole alsacienne. Le dernier en date était le 4 décembre, avec une magnitude de 3,5 sur l'échelle de Richter. Des riverains racontent. On a entendu d'abord une grande déflagration accompagnée de tremblements très perceptibles et qui se sont prolongés sur plusieurs secondes. Il y a eu un tremblement et un bruit très très fort. Et j'ai une grande vitre, une grande baie vitrée qui sort sur la terrasse. Elle a vibré, j'ai eu une peur énorme. Deux forages ont été réalisés sur le site, allant jusqu'à 5 km de profondeur. La centrale devait à terme alimenter plus de 20 000 foyers. Mais d'après les autorités, ce chantier serait justement la cause de ces tremblements de terre. Il se trouve que c'est vraiment un séisme qui vient de l'activité industrielle, donc une activité humaine qui est liée à ce puits de rejet du forage de Fontroche. Cet élu local avait demandé l'arrêt du projet pour protéger ses administrés. 100 millions d'euros y avaient été investis par l'entreprise Fontroche. En 2006 déjà, un projet similaire avait dû être arrêté pour les mêmes raisons, à 135 km de là, à Bâle, en Suisse.